ce qui m'a amené à créer l'association Émergence et à créer ce salon aujourd'hui, c'est la rencontre à plusieurs reprises, à la fois dans mon entourage personnel et dans mon entourage professionnel, de personnes gravement malades en raison d'une exposition prolongée au stress, que ce soit évidemment dans leur vie personnelle, mais aussi au travail. Et tout ça, ça m'a donné envie de réagir. À mon sens, la situation peut changer et ce changement passe par une réappropriation par chaque individu de ses responsabilités et de son propre pouvoir. Ceci implique que les organisations changent également leur fonctionnement pour que chaque personne puisse exprimer pleinement ses valeurs, son savoir-être et ainsi son savoir-faire. Partant d'un constat de la souffrance en entreprise, des manques de communication, de voir que les êtres, au bout des années de communication, de travail ensemble, ne se connaissent pas, sont pétris dans leur frustration, de voir que de nouvelles possibilités s'ouvrent pour qu'il y ait une fluidité, une harmonie qui se pose dans les relations. Et tout ça, il est constaté maintenant que ça porte vers une meilleure croissance, une meilleure créativité pour l'être humain et pour l'entreprise. Il suffit de changer un petit peu la perspective et de prendre conscience que l'humain, dans son potentiel, s'il est pris en compte, il peut déployer beaucoup plus que soumis à un stress. Pour faire évoluer la situation, il y a des solutions qui sont mises en place, des spécialistes qui sont formés à travers des professionnels du coaching, à travers des professionnels du bien-être, pour retrouver son équilibre intérieur, son harmonie, sa puissance, sa capacité à parler, à s'exprimer dans un certain rayonnement et partager cela en société. Chez CréaCoach, les valeurs humaines importantes, ce sont des valeurs essentielles, des valeurs comme l'éthique qui est l'éthique de soi par rapport à l'éthique de l'entreprise. Donc est-ce qu'on correspond, est-ce que ce que je fais au sein de l'entreprise est juste en fonction de mes propres valeurs d'éthique. Il y a aussi la bienveillance pour soi, bienveillance pour l'autre, pour mes collaborateurs, pour les gens que j'accompagne, mais aussi pour mes clients, pour tous ceux qui sont mes correspondants. Il y a le respect. Il y a une différence entre la bienveillance et le respect. Bienveillance, c'est aller au-delà, c'est vouloir du bien. Le respect, c'est juste accepter l'autre tel qu'il est, avec son bagage, avec ses connaissances, avec sa personnalité. Respect de soi, respect de l'autre. Et puis, il y a aussi une valeur importante, c'est la conscience de soi, la conscience de l'autre et la conscience du monde dans lequel on fonctionne, de l'environnement. Et par rapport à ça, cette conscience de l'action juste au moment juste. Ce que nous faisons, nous, chez CréaCoach, c'est de l'accompagnement individuel. C'est important, ça s'appelle le coaching évolutif pour nous. Nous faisons aussi de l'accompagnement d'équipe. C'est aussi du coaching évolutif parce qu'une équipe, c'est composé d'êtres humains et d'individus d'abord, ce qu'on appelle du team coaching. Et puis, nous faisons donc des formations coaching évolutif pour augmenter le panel des outils des managers qui veulent privilégier l'être humain dans leurs équipes avant les résultats, parce que plus je suis attentif au développement des gens avec qui je travaille, plus j'aurai de chances d'atteindre mes objectifs. Pour moi, c'est essentiellement la communication, l'écoute, le respect et la transparence vis-à-vis des collaborateurs. La richesse, ça va être la productivité des gens aussi et le fait qu'ils soient bien, qu'ils soient dans un bon cadre, motivés et dynamiques. La transparence est pour moi primordiale parce qu'on ne peut pas demander à des gens de s'engager sans savoir où on va,
comment on va le faire. Donc c'est pour ça qu'il est très important de communiquer sur ce sujet. Alors on fait beaucoup de choses, hein, mais notamment on communique sur la stratégie régulièrement, deux fois par an. On envoie beaucoup de tableaux de bord avec des indicateurs, sans tabou, je dirais, hein, même où on en est au niveau des objectifs, la marge, la rentabilité. Au niveau des collaborateurs, il y a deux entretiens annuels. Donc ça, je pense que c'est très important en termes d'écoute, de voir les problèmes des gens, parce que même si vous les rencontrez tous les jours et que vous déjeunez en face d'eux, en entretien, il y a plus de choses qui se disent. Et l'essentiel, c'est le bien-être, la convivialité. On gère les problèmes sans stress et je pense qu'on est une société où il fait bon vivre. Pour moi, la notion de valeur, c'est une notion à la fois individuelle et une notion d'entreprise. Chaque entreprise a ses valeurs, chaque individu a ses valeurs. Ce qui est important, c'est que l'individu qui travaille dans l'entreprise soit en accord avec les valeurs de son entreprise et les valeurs de son équipe, et qu'il puisse y avoir une certaine coordination entre ces différentes valeurs. Concrètement, en tant que coach, moi je fais surtout du coaching d'équipe. J'essaye d'harmoniser les valeurs, déjà de faire prendre conscience aux gens des valeurs qu'ils portent, des valeurs qu'ils ont en eux en tant qu'individus et des valeurs qu'ils portent au sein de leur entreprise, et de faire en sorte qu'ils puissent se recentrer en équipe autour de valeurs complémentaires et qui marchent ensemble en fait. Esprit, la notion de regard, de perception, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est la capacité au quotidien de pouvoir arriver avec une potentialité diverse et variée et de la remettre en jeu, non pas toujours la même, mais c'est là où il y a peut-être une possibilité différente, mais de pouvoir au quotidien garder comme un regard de la première fois pour pouvoir réaborder ce que l'on a à faire et ses potentialités d'une façon dynamique et adaptable en permanence. Pour amener ces valeurs dans l'entreprise, on s'appuie sur notre méthode qui est la sophrologie caïssédienne et on essaie vraiment de renforcer le sentiment de confiance des managers ou des salariés, de gérer leurs émotions pour vraiment optimiser une cohésion d'équipe et pour déboucher sur une optimisation comportementale et de la performance. C'est d'abord l'esprit de groupe, de coopération, et puis le respect de soi et le respect des autres. Ce que j'amène le plus souvent dans mes interventions en entreprise, c'est tout ce qui est relié à la communication et à l'estime de soi, à la confiance en soi, pour pouvoir générer aussi de l'estime de l'autre et de la confiance chez l'autre aussi. Je vais en mettre en avant une tout particulièrement, c'est l'affectivité. C'est pour moi extrêmement important. Important parce qu'une entreprise, c'est avant tout un groupe de personnes. Ce sont des gens qui sont à l'initiative de l'entreprise, qui créent l'entreprise, qui œuvrent à l'entreprise. Et sans affectivité, c'est-à-dire sans capacité à être en lien, en relation les uns avec les autres, bon, on ne va jamais très très loin. Et je crois qu'hélas, c'est ce qui se perd un petit peu. C'est pour ça qu'on a autant de souffrance au travail aujourd'hui. Dans tout ce que je fais, en tout cas, je suis en relation complètement avec les gens, pour pouvoir les écouter d'abord et apporter une ressource et non pas une recette à appliquer dans les organisations. C'est-à-dire qu'avec ce concept d'entreprise vivante, on a un groupe de consultants qui sont à disposition des entreprises pour pouvoir les accompagner, c'est-à-dire mettre leurs ressources au service d'eux. Et ça me semble extrêmement important. On a beaucoup
d'accompagnement, de management selon nos recettes spécifiques, de choses qui sont préétablies et ou, qui vont s'adapter, enfin l'entreprise va s'adapter justement à cette structure de pensée, alors que c'est l'inverse qui doit être effectué, à mon avis. Donc il y a vraiment l'affectivité, l'écoute, tout ce qui est de la capacité de la relation, c'est évident. Ensuite, je vais dire que c'est mon parcours de 30 ans de connaissance de l'humain, de travail dans les organisations, de créativité aussi. Et j'ai énormément appris avec la pratique de la danse. Et ça, ça influe complètement dans mon approche des entreprises. Parce qu'avec le mouvement, donc j'ai appris la fluidité. Comment est-ce qu'on peut être fluide? Comment est-ce qu'on peut être dans sa base? Comment on peut dire « je » et rentrer en relation avec l'autre en créant? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, oui. Que j'apporte, en tout cas partout. Il nous est apparu évident de créer un événement qui puisse fédérer et apporter des solutions aux dirigeants et aux cadres des entreprises. Et ce salon Émergence est là justement pour apporter aux gens une information, peut-être des solutions, et voire au plus par des applications que les gens qui exposent peuvent amener dans le cœur de ces entreprises.